Alors je sais pas combien de temps ça va durer, mais si c'est comme un Telltale, normalement on est parti pour 1h30, 2h, un truc comme ça. Et les autres épisodes, je sais pas quand ils sortiront, mais en tout il y en aura 5. Et on fera à chaque fois le nouvel épisode, à chaque fois qu'il sortira. Your turn. The servants are not very efficient. Duryshe can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted, given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her, you know. Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island. From what I've understood, the search of Duryshe's room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we've put her son in there. Perhaps he'll find something. Hmm. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. Mais attendez, en fait, je suis dans mon sommeil en train de les espionner, ou... Oh, what a pity to lose a knight at the start of the game. Parce que j'avais pas calculé, là. Mais ouais, Are c'est you ça. Waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear. I'll have one of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Ah. Please forgive me for this late hour. It is never too late. And we have much to discuss. One last move. La baguette. Rageux. Don't worry. Our games always seem to end like this. Ah, ce rage kit. Le pire des rage kits. Ah, il est toxique comme jamais. Ah, mais c'était Napoléon! J'avais pas calé. Ah, notre ami le gourmand. A little nighttime stroll, Mr. President. There's nothing like it for a good night's sleep. Do not hesitate to ask a servant to show you back. The corridors seem quite safe. Peppermint, lime flower, and valerian. My miracle remedy when one can't get to sleep. A very good night to you, Mr. President. Thank you. And to you too, sir. T'es long à reconnaître Napoléon. Ouais, ben bah j'avais juste... ouais. Je l'avais oublié. J'avais oublié. Putain, c'est Eleven dans Stranger Things, en fait. Ah bah, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire, ça. Remettre le sang dans le nez, c'est pas terrible. Vous pouvez pas utiliser un mouchoir? Oh, je vais lire par-dessus lui, on s'en fout. Cher monsieur Drichet, veuillez m'excuser si je ne peux joindre à vous dans l'immédiat, mais soyez rassurés que nous faisons tout notre possible afin de solutionner l'affaire qui nous concerne. À ce propos, vous trouverez 6 juin une clé vous permettant d'accéder aux effets personnels que votre mère avait laissés dans la chambre, votre dévoué, Lord Mortimer. J'aimerais bien le voir, lui. Une clé à un cercle. Très bien. Oui, j'arrive. Que tout le monde se calme. L'incrédulité de Saint Thomas. Why is Caravaggio represented Saint Thomas putting his finger in the wound? Thomas looks on, but hey, encore de la gelée. Croix de mal. J'arrive, laissez-moi fouiller, j'arrive. Ça, je peux toujours pas déverrouiller. Ok, d'accord. Bon, ça, j'ai déjà fouillé tout ça. Excuse me, am I bothering you? Bah, un petit peu, il fait nuit. Non, 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 je rigole. No, not in the least. Is something wrong? I'm going to need your help. J'aime bien Washington. Do you remember the young lady we spoke of in the hall? No. What's her name again? Elizabeth Adams. Well, she is the daughter of my friend, the vice president, John Adams. But she is ah, rien que ça. To be dead. Pardon. That's bizarre. Ah oui. Good heavens! I was present at her funeral. It is disturbing indeed. Yes. I need to make sure it's her. That's where you come in. I want you to distract Elizabeth while I search her room. And perhaps get my hands on some important information. At least, I hope so. Elizabeth is in the small salon.
If you hurry, you can still catch her. I just need 10 minutes. But if my vision is true, there are two men nearby discussing very important issues, and one of them looks much like Mortimer. Washington is very kind, but I came to this island for my mother, not for his ghost stories. Ah, oh, putain. Mais à chaque fois, les choix, c'est beaucoup trop dur. C'est beaucoup trop dur. Il est sympathique, Washington. Et moi, je veux bien le croire, parce que je comprends pas en fait que Louis, le personnage que je joue, il doute. À quel moment il doute? Parce que le mec, il arrive à faire des trucs un petit peu occultes qui sont pas tout à fait catholiques, j'ai l'impression. Et il doute que Washington ait vu un fantôme ou... Ah, je suis quand même plus attiré sur Mortimer, mais... Allez, on va aider Washington. Count on me, sir. Je suis altruiste. Thank you, my friend. Keep Elizabeth downstairs as long as possible. She must not return to her room. Si on peut s'attirer ses faveurs, c'est une bonne chose en plus. According to Washington, Lady Adams is in the small salon. I better hurry. Ok. Est-ce que je pars dans le bon sens? Je ne crois pas. C'est par là, je crois. Pas besoin de traîner dans les couloirs, de toute façon, j'ai déjà fait le tour. Ah. Ah, mais j'ai pas eu le temps de fouiller ici. Lives of the Noble Greeks and Romans by Plutarch. A biography of the great men. Que je peux choper en plus. Golden Elixir. Ok, ça c'est bien. Mais dans tous les cas, même si je fouille un max, je vais pas pouvoir mettre 2 points. Puisque les points, je les débloque en fin de... En fin de mission. Enfin, de chapitre, entre guillemets. C'est chiant, ça. Ça va pas pouvoir m'aider dans l'immédiat, quoi. Oh, you are a godsend. What's the matter, Your Eminence? I believe a Miss Adams may be in danger. What do you mean? Do you hear that? She is being manhandled in this small salon. By whom? I don't know exactly. A thug, a Frenchman, it seems. By the cut of his cloth, I'd say he's a member of the French Revolutionary Government. You should do something, my son. J'y cours. Bien sûr, j'y cours. Shit. I was supposed to make sure Adams wouldn't go back to her room. Don't worry, Your Eminence. I'll take care of it. Probably nothing to worry about. Do you want me to call for help? Please don't do anything. I'm sure with a little goodwill, everything will work out fine. Don't go and wake up the whole manor, please. Thank you, my son. May God watch over you. On va faire ça vite fait. Who do you think you are? Chemin multiple. Il existe plusieurs chemins pour atteindre votre objectif. Il peut être bon de réfléchir avant de vous engager sur la première voie que vous trouvez. Sir. If we were in France, I'd have sent you to the guillotine for what you just said. Please, just let me go back to my room. I'm gonna teach this little slut how to behave. What the hell is going on? I don't think you know who I am. Stop. I beg you. I didn't mean to. Don't hit me, please, sir. Shit. If I step in, Adams might just run back to your room. And if I do nothing, yes, Washington will have enough time to search, but this girl's gonna suffer. Ah, oh, c'est horrible. Ah, puis j'ai... Ah, mais non. J'ai du temps. Ouais, je peux pas le laisser faire. C'est pas possible. Shit. Je peux pas trouver un moyen pour qu'elle reste en même temps. I told you to mind your own business, boy. If you think you can side with this whore and then just walk away, you're out of your mind. Give me one good reason not to knock you down. Le frapper, ah, raisonne-le. Il oublie où il se trouve. You're not back in your slum now. You're in Lord Mortimer's home. I suggest you think carefully about what you're going to do. Don't think you're getting away with it that easily. I'm sick of all these toffs. If we were in Paris, I'd send you all to the guillotine. And on top of it all, a woman telling me how I ought to behave? I won't stand for it. Oh, okay, okay, wait a minute. What? Don't tell me you're gonna defend these harlots. Tu vas redescendre d'un ton déjà, fais-lui croire que tu es d'accord avec lui, se taire. Rien ne vaut une parole sage. Oh, c'est faible. Rien ne vaut une parole sage. Oh, c'est nul. From speech comes dialogue. From dialogue, ça marchera pas, ça. And from peace, great destinies flourish.
Ça va pas le saouler, ça. What the fuck are you talking about? Oh, nice, putain. I get the feeling you're trying to put one over on me. If that's the case, you're making a big mistake. Sorry about that. Look, there's no point in us aggravating each other. Let's both just go our separate ways. No move, we're not done yet. You wanted to be the knight in shining armor and save the damsel in distress. En vrai, dans une soirée, à un bar, tu dis ça à quelqu'un, genre la violence ne mène à rien, ça marche pas du tout, c'est pas possible. Avec lui, ça marche. Bon, il a un flingue pointé sur moi, mais ça a marché quand même. Décontenancé. Un interlocuteur vous a mis en défaut. Le coût d'utilisation d'une compétence augmente. Ah merde, utilisez un élixir d'or pour vous soigner. Déstabilise-le. Je peux faire que ça, trouve un point faible. Allez. I've watched you and you're shaking. I'm betting you won't fire. I'm not in the habit of beating Lord Mortimer's guest in his own salon. Bah oui, ça fait du sens. You got off easy this time, but don't try it again. Eh, je m'en suis bien sorti. Imperfect quand même. Mais par contre, si elle est retournée à sa chambre, ça va être un problème quoi. C'est pas ce qu'elle avait autour du cou ça. Si, c'était elle. Alors, est-ce que je peux voir quelque chose d'intéressant là-dedans? Ah oui, c'est les échecs du rageux là. Honey, I couldn't have hoped for better. Ça, j'imagine que je peux pas le crocheter. There's a pattern with five circles on this chest. Ah. Utiliser la clé, j'ai une clé à trouver. Oh bah dis donc, il y a un livre là, c'est un passage secret, les armoires vont-elles s'ouvrir? Non, pas du tout. Je me suis enflammé. OK. Hey, these look like pages taken from an ancient encyclopedia. Et je crois que j'ai déjà fait le tour. Bah allez, c'est parti. Mais faut la rattraper. Lady Adams must have locked it behind her when... Ah super. Elle m'enferme avec, alors que j'essaie de l'aider. Parfait ça. Merci. C'est la meilleure. Heureusement que c'est ouvert ici. Well, did you get time to search the room? Louis, I only needed 10 minutes. Oh, putain. Imagine the scandal if she had found me. What would you have done in my shoes? She was in the middle of an argument with some angry guy. 10 minutes. I didn't ask for the moon. Nonetheless, you found what you were looking for, didn't you? Not everything, but yes. Elizabeth is definitely the daughter of John Adams. We need more information. Eh ben alors parfait. You can always go back. It's too late now. T'as eu ce que tu voulais, pourquoi tu m'embêtes? Ils sont jamais contents. Ah hein. Oh, ça va, je suis content de moi là, je m'en suis vraiment bien sorti. On a sauvé Adams et en même temps, on a eu juste assez de temps pour que Washington trouve ce qu'il veut. Alors, retournez vous coucher. On est reparti. Non, c'est de l'autre côté. Ça va, je connais déjà le manoir comme ma poche. Non, c'est pas là. C'est plus loin. Et c'est... Ah. Your Eminence, what are you doing here? Et tout le monde se balade à 3h du mat ici. I was worried about you, my son. How did it go with Miss Adams? Problème résolu. Don't worry about that anymore, Your Eminence. I had to step in, but everything's under control. What an adventure, my son. I am relieved to hear it. You acted as a good Christian. In these troubled times, we need more men of your caliber. It's nothing, Your Eminence. I did what I had to do. Well, you did the opposite. Good. C'est clair, il attendait devant la porte. My son, I have another problem. I wanted to speak to you about something important. Do you still have my letter on you? Ah putain, non! Why do you ask? I have a name to add to it. Non! Non! Non, je l'ai fait, mais non! Ah putain. Et je peux pas lui mentir, je suis obligé de lui donner. Ah, fais chier. Here it is. You opened it. Elle est tombée, elle s'est ouverte toute seule. You gave me your word before God. I can assure you that my mother and I share everything. That's enough. Your word is worthless. I give your mother this letter myself. Ah non. Bon, bah voilà, ma première erreur à... Il y a eu des conséquences à ma première erreur. Voilà, j'ai Louis, plus la lettre. You're straying from your objective.
Ah merde, c'est pas par là ma chambre. Ok, bah je connais pas le manoir comme ma poche. Oui, Carliard, je me suis j'ai menti, j'ai dit des bêtises. I'm exhausted. Better go to bed. I'll search my room tomorrow. If Mother stayed here right before me, you never know. And Mortimer had better show up. C'est vrai qu'il serait peut-être temps de le voir. Ok, chapitre 2 du coup de l'épisode 1 terminé. Je n'ai pas retenu les diadems. J'aurais pu découvrir quelque chose sur le passé de ma mère. Piaggi s'est aperçu que j'avais ouvert sa lettre. Alors, quand je suis reparti après avoir aidé les diadems, j'étais vraiment content de moi. Et finalement, bah, j'ai fait beaucoup plus de bêtises que dans le premier chapitre. Ouais, j'ai retrouvé les diadems au petit salon. Je me suis pas laissé faire par Pérou, ça c'est cool. J'ai retrouvé le talisman, c'est bien aussi. Alors, alternative, j'aurais pu écouter ce que Sir Washington voulait dire au sujet de ma mère. Ah mais c'était du premier chapitre ça, c'est pas de maintenant. J'aurais pu en découvrir plus sur les hommes de ma vision. J'aurais pu en apprendre plus sur des plans me concernant. Putain, j'ai l'impression que je rate plein de choses alors que j'essaye de fouiller. J'aurais pu faire une singulière rencontre. Merde. Bon bah, je vais essayer de faire plus attention au chapitre suivant. Dans la gueule, dans ta gueule pour la lettre. Hé, j'ai essayé, ok. Ah, j'aurais pas dû céder à la tentation d'ouvrir la lettre. J'ai fait une bêtise. Je le savais en plus quand je l'ai fait, mais c'est complètement bête. Ok, bah j'ai raté des choses. Level 3. Ouais, quand même. Objet trouvé, 0. Ouais, ok. D'accord. Si ça se trouve, je pouvais pas en trouver. Alors, je peux mettre des points. J'ai 4 points à répartir. Amenez les gens à agir dans votre propre intérêt. Allez. Ça me coûtait qu'un point. Du coup, je l'ai mis. Alors, soyez au fait des connaissances scientifiques et techniques médicales. Ça aurait été utile au chapitre 1, parce que j'aurais pu aider l'autre qui faisait sa crise, là. Conviction, persuadez vos interlocuteurs par votre détermination manifeste et votre attitude, ça je veux. Et j'ai plus qu'un point, et je vais le mettre dans la logique. Non mais le nombre de points qu'il faut après pour passer un niveau! Vache! C'est rien, finalement, ce que j'ai. Immunisé à la conviction. Monsieur Richard, it would seem we have common interests. Could we speak in private, please? Ah, c'est génial l'accent, putain. Ah, s'il me dit des trucs en français, ça va être bien. Parce que je suis pas censé comprendre si les autres parlent une langue que je parle pas. Sauf que je pourrais comprendre dans ce cas-là.